Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'écouteurs et spécialement les écouteurs de Soundcore, les Liberty 4. Donc on va voir ce que ça vaut en faisant un petit essai succinct sur quelques jours. Et puis, à ce qui paraît, ils proposent vraiment une qualité audio exceptionnelle parce que sur le site Frandroid, ils sont notés 9 sur 10. Donc, on va voir ce qu'ils valent. Mais avant ça, nous allons faire le déballage. De ce déballage, donc nous avons une boîte de très belle qualité, un pactage qui est superbe. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez les notices, le cordon qui sont cachés sous un petit tiroir. Vous avez la présentation des embouts de différentes tailles qui sont bien placés. Vous avez aussi la boîte avec la présentation quand on l'ouvre des écouteurs et de la boîte de recharge. Donc sur la notice, on a une boîte de recharge qui fait quali, qui est en USB-C, et le tout avec les écouteurs, vous en avez pour 28 heures d'écoute. Ils promettent aussi une autonomie juste les écouteurs de 9 heures. Donc vous avez en gros, vous avez la recharge complète des écouteurs plus deux recharges supplémentaires. Donc, et encore il reste une heure d'écoute. Donc ça c'est pas mal, hein. Ça vous permet de tenir une bonne partie de la semaine avec ça. Ils sont mis audio ARS. Ils sont IP54 ou 58, donc en fait, ce qui veut dire qu'ils vont pas dans l'eau, mais qui supportent la transpiration quand vous faites du sport. Donc vous avez 4 paires d'embouts, parce que vous avez une paire d'embouts déjà qui sont livrées avec les écouteurs. Et donc vous avez une réduction de bruit active qui a l'air vraiment, vraiment sympa de ce côté-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va les mettre aux oreilles et puis nous allons faire un test succinct de tenue d'oreille pour en marchant. Voilà, moi je suis pas un sportif, mais ça vous montrera pour la plupart des gens que ça tient bien dans les oreilles ou pas. Donc on va voir ce que ça vaut, et puis voilà, donc c'est parti. Bon, voilà. J'ai mis les écouteurs, donc ils sont confortables à prendre en main. Ils ont l'air d'avoir une bonne tenue, donc on va voir sur la petite demi-heure, trois quarts d'heure de marche que l'on va faire pour voir ce que ça vaut. Donc ils promettent quoi? Ils promettent une réduction de bruit active. Ces écouteurs, donc un mode de transparence aussi, un mode normal. Vous avez aussi possibilité de programmer votre son en equalizer déjà pré-programmé. Donc vous avez une dizaine d'équaliseurs mis en place, jazz, pop, rock, heavy metal, voilà. Et vous avez la possibilité de faire vos réglages vous-même d'equalizer, donc de personnaliser autant que vous voulez d'equalizer. Donc ça c'est pas mal. Et ce que moi j'aimerais aussi essayer, c'est la qualité ARS de fichiers que ces écouteurs promettent. Et aussi au-delà de ça, il y a un audio 360 qui est proposé. Et j'ai regardé un petit peu dans les réglages, ce son en 360 degrés
soit vous le mettez en fixe, ou soit vous le mettez en suivi, c'est-à-dire quand vous tournez la tête, vous avez les sons qui arrivent selon comment vous tournez la tête. Pour tout ce qui est film et tout ça, ça a l'air pas mal aussi. Et puis pour les concerts, ça a l'air très bien. Donc on va voir ça, je vais vous dire ça d'ici quelques jours, parce que je suis parti pour quelques jours. Là c'est juste un test de tenue, donc vous voyez, ça tient bien aux oreilles, j'ai pas besoin de retoquer pour les bouger. Donc en test de tenue, ça a l'air acceptable. Donc parce que jusqu'à présent ma référence était les Jabra 7 Elite Pro, qui ne tombent jamais de mes conduits auditifs, et c'est les seuls jusqu'à présent. Donc si ceux-là ils tiennent au bout d'une demi-heure, ça sera pas mal. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces écouteurs sont accompagnés d'une application qui a l'air vraiment pas mal. Donc ça s'appelle Soundcore, et puis on va tester ça. Et puis ça fait une grosse demi-heure, presque trois quarts d'heure que l'on marche dans les sentiers de randonnée, hein. Et voilà, j'ai pas eu besoin de retoucher les écouteurs Soundcore Liberty 4. Donc le son est nickel jusqu'à présent, un très bon son. D'après ce que j'ai pu essayer sur des fichiers de chez Amazon Music, vu que j'ai l'application Amazon Music. Donc des très bons écouteurs, des basses qui sont pas omniprésentes, enfin tout est bon. Donc je suis étonné, parce que les fichiers que j'ai écoutés, c'est les fichiers que j'écoute d'habitude avec les Jabra. Et je vois que au niveau son, les Soundcore Liberty 4, depuis une demi-heure, trois quarts d'heure que je les écoute, sont légèrement au-dessus des Jabra Elite 7 Pro. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà les Jabra, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire au niveau son. Là, on est encore un petit level au-dessus. Donc on va les essayer au niveau des appels téléphoniques et tout ça, pour voir ce que ça vaut. La réduction de bruit est active, et que j'ai essayé là pendant cette demi-heure, trois quarts d'heure. Donc vous avez la position où ça coupe tous les bruits. Donc on entend très très peu de bruit qui viennent vous embêter. Donc c'est pas mal. On entend qu'avec le vent, on entend quelques sifflets, mais bon, ça c'est dû au micro de la réduction de bruit active. Donc ça le fait à tous les écouteurs, même de haut de gamme, ça le fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le mode transparent, c'est pas mal aussi. Donc vous avez un bon son, et puis ça vous permet d'avoir les sons qui vous arrivent de la route, si vous êtes en train de faire un jogging le long d'une route ou quoi que ce soit, qui vous permet d'avoir les bruits dangereux qui viennent à vous, et donc ça vous permet d'être vigilant. Le mode normal est pas mal. Donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est normal. Donc j'insiste sur la qualité des écouteurs. Donc les tweeters qui sont, enfin les tweeters, les petits, l'ensemble pour faire les écouteurs qui ont été utilisés sont de bonne qualité. Donc les haut-parleurs, si vous voulez par là, mais c'est un autre nom, mais je ne l'ai pas sous le bout de la langue. Mais enfin, c'est de la qualité, parce que franchement, la qualité du son, là j'ai essayé pendant ma randonnée, j'ai pris un live de Johnny Hallyday au Parc des Princes. Donc impressionnant, quand vous tournez la tête et que vous faites l'audio en 360, ça vous fait un son incroyable. Donc vraiment 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 pas mal. Donc voilà, donc on va continuer ce test, et puis on va voir ce que ça donne. On est quelques jours plus tard après le déballage des Liberty 4 de Soundcore. Donc très très bons écouteurs. Donc comme je vous disais, ils tiennent très bien dans les oreilles. Là je les ai encore sur les oreilles. Donc ils tiennent très très bien dans les oreilles. C'est tout petit comme ça, vous voyez. Donc c'est très léger.
donc il n'y a pas de souci dans la tenue des oreilles. Donc le boîtier, très quali, le boîtier, donc je l'ai dans la poche, je le sors. Donc au bout d'une semaine, il n'y a pas de traces de coups, de rayures malgré les clés que j'ai dans les poches ou quoi que ce soit. Donc de ce côté-là, c'est vraiment qualitatif. Au niveau de l'application, parce qu'il faut en parler quand même de l'application, donc on a une application qui est assez complète. Donc voilà, je vous la montre. Donc voilà, donc ça s'appelle Soundcore comme application. Et donc vous voyez, donc vous avez plusieurs choses. Donc vous avez, vous pouvez avoir des notifications qui sont notées. Voilà, vous avez un petit support d'aide et commentaires. Voilà, sur les écouteurs ou sur d'autres écouteurs. Donc ça, c'est la marque Soundcore qui fait ça. Donc ça a le mérite d'exister. Donc c'est noté comme quoi ils ont été ils sont en garantie, ces écouteurs là donc voilà, donc ça permet en cas de pépin pour la marque de savoir s'ils sont encore garantis ou pas. Après, donc vous voyez, vous avez des niveaux de batterie et un niveau autonomie du boîtier qui sont notés. Vous avez ici les modes de transparence normal et puis d'écoute ANC. Donc quand on fait ANC, vous avez un mode qui se met en plus. Là, ils sont notés en mode fort, donc on peut le mettre en mode manuel, donc qui sera mis comme vous voulez, ou en mode aussi adaptatif. Voilà, là il est en mode adaptatif, donc il détecte que c'est faible. On se remet en mode manuel parce que c'est ce que je préfère. Vous voyez, vous avez tout un tas de fonctions qui sont mises. Donc le mode transparence, il y a un mode vocal qui est mis, qui traite surtout le vocal ou complètement transparent, donc qui est encore plus fort au niveau de la transparence. Donc voilà. Vous avez le mode normal, donc le mode normal, il n'y a rien de particulier. Après, dans les réglages Equalizer, vous avez le custom. Voilà, vous pouvez mettre autant de custom que vous voulez. Vous faites votre égaliseur comme vous voulez. Donc voilà, donc là, je suis en train d'en faire un pour vous. Donc je ne sais pas à quoi ça vaut, mais ça vous montre ce que ça peut faire au niveau de la personnalisation d'un equalizer. Donc je vais en faire un deuxième. Donc il suffit d'appuyer sur voilà, ça c'est pour prendre une photo et la partager si je veux avec des amis sur mon equalizer. Et je vais appuyer sur plus pour faire un deuxième, voilà, on va y revenir, un deuxième equalizer. Donc voilà, je mets un autre nom, custom 1, et je fais un deuxième equalizer. Et si je veux revenir sur le premier que j'avais fait, je peux le faire. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième equalizer. Donc on peut faire autant qu'on veut d'equalizer personnalisé. Donc c'est très sympa. Et après, vous voyez, ça vous fait des petits boutons et vous venez comme vous voulez. Donc après, l'équaliseur par défaut, vous voyez, vous avez tout un tas d'équaliseurs qui sont déjà préprogrammés. Donc signature Soundcore, Jazz, Lounge, petit haut-parleur, mot-parler, réduction aiguë, amplification des graves. Donc vraiment, c'est pas mal. Vous avez aussi voilà, une truc là pour les oreilles. Donc si vous voulez faire un mode vraiment parfait pour vous, vous pouvez le faire. Après, vous avez le mode 360, donc vous pouvez mode cinéma en suivi ou corrigé, mode musique. Donc comme je vous disais, le mode cinéma est vraiment super pour les séries et tout ça. Quand vous le suivez sur votre appareil, c'est vraiment pas mal. Donc avec l'audio haute résolution, vous pouvez l'enclencher ou le désenclencher. Quand vous l'enclenchez, vous ne pourrez pas avoir le multipoint, le Bluetooth multipoint de l'appareil. C'est-à-dire que vous pourrez mettre que sur un appareil en mode high-res. Par contre, si vous enlevez ce mode-là, high-res, vous aurez le multipoint. Donc vous pourrez mettre ces écouteurs sur deux appareils différents.
Donc voilà. Après, vous avez un mode sportif sur ces écouteurs qui vous permettent de calculer votre rythme cardiaque, de faire des entraînements. Donc ils font une prise du cœur, une prise du rythme cardiaque qui est vraiment, vraiment bonne. Hein. Donc vous avez aussi le calcul du stress. Donc voilà, vous pouvez faire des entraînements, vous pouvez faire un test d'effort manuel comme vous voulez pour voir votre état de fatigue et tout ça. Donc voilà, donc c'est assez complet pour des oreilles, pour des écouteurs. Donc ils sont quand même assez axés sport. Vous avez aussi des postures, donc ils détectent les postures, comment vous vous tenez. Donc une application qui est vachement mise au niveau du sport. Pour ces écouteurs, donc c'est des écouteurs qui sont axés sport et donc ça vous permet de faire un suivi journalier de la semaine ou du mois en sport. Donc voilà, voilà, vous pouvez commencer vos exercices. Franchement, c'est pas mal au niveau sportif. Voilà ce qu'on peut dire sur ces écouteurs. Donc on a des écouteurs qui sont très bons en qualité d'écoute. Pour les appels, je les ai utilisés plusieurs fois pour les appels. Donc ils ont 6 micros. Donc on a des appels un petit peu légèrement éloignés, mais tout le monde nous entend bien au niveau de la parole et de la prononciation. Donc vraiment des bons écouteurs, un peu moins bons que les Jabra Elite 7 Pro, qui sont au top au niveau écoute téléphonique, mais vraiment ils sont pas ridicules. Donc on a un très bon son spatialisé, un très bon son ARS. Donc voilà, donc on a des écouteurs pour un peu moins de 150 €, des écouteurs qui sont étanches à la transpiration. Donc voilà, donc en fait, dans cette vidéo, ce qu'on peut dire après cette vidéo, c'est que vous avez des très bons, c'est une très bonne surprise que ces Soundcore Liberty 4. Ils sont placés avec un prix milieu de gamme, ils sont placés avec une qualité haut de gamme. Donc c'est un bon rapport qualité-prix. Et puis ça vous permet d'avoir des écouteurs qui sont tip-top, qui sont légers, qui sont confortables, un très bon son. Voilà. Voilà, vous avez compris, je ne vois pas beaucoup de points faibles. Ah, si, un petit point faible, la boîte. Quand on la prend dans la poche, des fois, on ne fait pas attention et on galère un peu à les ouvrir parce qu'on se trompe de côté ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment pour trouver un point faible à ces boîtiers. Mais sinon, voilà, ce sont des écouteurs qui sont tip-top. Je vous les recommande si vous n'avez pas d'écouteurs encore de bonne qualité. Je vous les recommande parce qu'ils ne sont pas excessifs en prix. On les trouve à 149 €. Souvent avec des promotions comme les Prime Day, tout ça. Moi, avec les Prime Day, je les ai eus à 30 € de moins, c'est-à-dire à 129 €. Donc voilà, c'est une bonne alternative aux Jabra. Mais c'est pas pour ça que je vous recommande pas non plus les Jabra, hein, parce que les Elite 7 Pro sont de très bonne qualité, mais ceux-là, les Soundcore au niveau du son, sont un petit peu meilleurs. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.